Bonjour, alors bienvenue dans cette vidéo sur la programmation dynamique ou l'art de faire des modèles de chemin. Aujourd'hui, donc, on va corriger un exercice qui porte sur un problème d'alignement de séquences de nucléotides, donc dans le domaine de la génétique de la bioinformatique. Alors, je rappelle qu'avant de voir cette vidéo, vous trouverez en description les liens vers trois petites vidéos qui présentent cette technique de modélisation par les chemins ou de programmation dynamique. Aujourd'hui, donc, on se penche sur la correction d'un exercice type. Alors, cet exercice, c'est l'exercice 6.26 du livre Algorithms de Dagupta, Papadimitriou et Vazirani. J'ai mis en lien dans la description le PDF de ce chapitre sur la programmation dynamique avec tous les exercices, dont celui-là. Hein, je vous invite à aller lire l'énoncé originel d'essayer de le faire avant de voir cette vidéo. Alors, je vais rappeler ici l'énoncé du problème. Donc, on a un alphabet constitué par les bases, l'adénine, la cytosine, la guanine, la thymine. Et en entrée, on a deux gènes. Un gène X qui a N nucléotides et un gène Y qui a M nucléotides. Et la question qu'on se pose, c'est la question de la proximité entre X et Y. Donc, le contexte est le suivant. On a un nouveau gène X et un gène connu, Y, en particulier un gène dont on connaît déjà la fonction. Et si x est suffisamment proche de y, on pourra peut-être en déduire des choses sur la fonction de x, qui est un nouveau gène qu'on vient de découvrir. Donc on va s'intéresser au problème de la distance entre x et y, et cette distance va être calculée en les alignant. Alors, on va utiliser comme fil rouge un peu un exemple qui est le suivant, avec deux gènes x et y qui sont donnés ici, donc ATGCC pour x et TACGCA pour y. Alors, les deux gènes vont être proches si on arrive à aligner les nucléotides correctement. Alors, voilà un exemple d'alignement de ces deux gènes. Et dans cet alignement, vous pouvez voir qu'on a inséré des blancs. Donc, les tirets ici, ce que je vais considérer comme étant des blancs. Ça, c'est parce qu'au fil de l'évolution, il y a des mutations qui se produisent, donc il peut y avoir des suppressions, des insertions, etc., dans les séquences du génome. Et que pour retrouver la proximité entre deux gènes, il faut s'autoriser éventuellement à décaler les séquences avec des blancs. Donc voilà un alignement possible de ces deux séquences. Alors pour savoir si c'est un bon alignement, eh ben on a aussi en entrée une matrice de score, delta, qui nous donne pour chaque paire de nucléotides une valeur numérique constituant le score, c'est-à-dire le gain à aligner chaque paire de nucléotides. Donc par exemple, cet alignement ici, ben il a le score suivant. Son score est la somme des scores des alignements individuels. Donc blanc avec T, A avec A, etc. Voilà le score de cet alignement. Et ce qu'on cherche donc à faire, c'est à placer les blancs pour maximiser le score. Alors, si on résume la question, là voilà, il s'agit de donner un modèle de chemin, un programme dynamique, qui prend en entrée deux séquences de nucléotides, X et Y, une matrice de score delta et qui renvoie un alignement de score maximum. On cherche un algorithme de complexité O de nm, hein, parce que l'algorithme naïf, qui serait l'algorithme exponentiel, lui chercherait toutes les possibilités de placement des blancs. Cet algorithme-là aurait une complexité exponentielle et ne passerait pas du tout à l'échelle. Donc on veut faire ici un modèle de chemin. Voilà. Alors, juste pour le problème, on imagine que X est un nouveau gène et qu'on a une banque de gènes existantes et qu'on cherche, dont on connaît les fonctions et qu'on cherche si X est proche de certains d'entre eux. Donc, on va résoudre ce problème pour chacun des gènes de la banque de questions. Donc, il faut un algorithme très efficace qui va déterminer le score ou vraiment la proximité entre X et chacun des gènes de la banque. Voilà, alors je vous invite à essayer d'abord de faire cet exercice par vous-même, de prendre s'il faut une ou deux nuits de sommeil avant de vous remettre à l'ouvrage et avant de regarder la suite de cette vidéo. Alors, donc j'ai rappelé ici en haut de l'écran les deux gènes XY et l'alignement qui nous sert d'exemple hein, pour cette vidéo. On cherche à faire un modèle de chemin, donc on cherche quels vont être les sous-problèmes à ce problème-là. Hein, donc, ce qui est au cœur de nos modèles de chemin, c'est que une solution optimale de notre problème est faite avec les solutions optimales de problèmes restreints. Donc, c'est ça qu'on va chercher à identifier, quels sont ces sous-problèmes.
Alors supposons que cet alignement-là soit vraiment de score maximum, que ce soit un alignement optimal. Est-ce qu'on peut trouver des sous-problèmes qui sont eux aussi optimums au sens de l'alignement? Une idée, par exemple, c'est de couper un endroit l'alignement, par exemple ici, sur ce trait, et de constater que, eh bien, si cet alignement-là est optimal, alors l'alignement pour les séquences de gènes qui sont avant, donc AT, et TAC, eh bien cet alignement-là est lui-même maximum. Ainsi, il y avait une façon de placer des blancs qui produisent un score meilleur pour ces deux sous-séquences, AT et TAC, alors on aurait un score meilleur pour l'alignement complet, ce qui est une contradiction puisqu'on l'a supposé optimal. Donc il faut bien qu'un alignement optimal soit fait avec des alignements de séquences partielles qui sont eux-mêmes optimaux. Ça, c'est la propriété fondamentale, c'est celle qu'on a déjà à partir de laquelle on a démarré ce cours sur les chemins, en disant tout sous-chemin d'un plus court chemin est un plus court chemin. Donc là, on a une propriété semblable, hein. Tout alignement de sous-séquences de gènes doit être optimal dans un alignement optimum. Ce serait une façon de le dire. Donc, on a identifié là un sous-problème qui va nous donner le modèle de chemin, puisqu'on a un sommet dans le graphe par sous-problème. Alors ici, le sous-problème, si on part de l'alignement de AT versus TAC, là, on va constituer un sommet. Comment est-ce qu'on peut le restreindre à des sous-problèmes plus petits? Ben, par exemple, donc on peut imaginer qu'on va aligner T avec un blanc et traiter ensuite le sous-problème de l'alignement optimum entre A et TAC. Ça, ce serait un premier prédécesseur de notre sommet ici. Avec sur l'arc le gain à aligner T avec un blanc. Donc ce serait déjà une première façon de restreindre ce sous-problème-là à un problème de taille plus petit dans lequel on a traité la fin des deux séquences, d'une certaine façon. Une autre façon de faire serait d'aligner T avec C et de résoudre le problème de l'alignement optimum entre A et TA. Voilà une deuxième restriction possible de ce sous-problème. Et il y en a aussi une troisième, c'est d'aligner blanc avec C. Donc ce qu'on voit, c'est que les sous-problèmes qu'on est en train de considérer, eh ben, ils portent sur la taille des séquences partielles qu'on considère, hein, sur les deux extrémités des deux séquences. Donc voilà notre modèle de chemin. Alors pour bien le comprendre, on va le dessiner sur l'ensemble du problème. Alors si on le dessinait pour l'ensemble du problème de cet exemple, ce serait un graphe trop gros. Donc je l'ai fait simplement pour le problème de AT versus TAC. Et le voilà. Donc on retrouve le sommet correspondant au sous-problème de l'alignement de AT et TAC. Et on voit le graphe dans lequel on va chercher un chemin, en particulier un plus long chemin, parce qu'on est en train de maximiser. Alors dans ce graphe, il y a le principe général, hein, c'est-à-dire qu'un sommet, d'une façon générale, a trois prédécesseurs ici, correspondant à chaque fois aux trois façons de traiter les extrémités des deux séquences, pour restreindre d'une unité la taille des séquences correspondantes. Alors pour mieux comprendre le graphe, ce qu'on peut faire, c'est chercher à retrouver un alignement. Par exemple, celui qui est en haut ici à gauche, il doit correspondre à un chemin dans le graphe. Donc où est-il? Le voilà. Hein, si on part de la source ici, on commence par aligner blanc avec T, puis A avec A, T avec blanc et blanc avec C. Donc voilà le chemin qui représente l'alignement en question. Donc il faut que chaque chemin représente une solution réalisable du problème, ici un alignement, et puis que chaque solution réalisable, chaque alignement, soit représenté par un chemin dans le graphe, pour qu'il y ait une équivalence entre les modèles, entre les problèmes. Alors par ailleurs, il faut que la distance d'un chemin, ce soit le gain, d'un alignement. Pour que de cette façon, si on a bien ça, eh bien, on a bien le fait que le problème d'alignement de séquence correspond au problème de chercher un plus long chemin dans ce graphe. Alors un plus long chemin entre la source et le sommet qui constitue ici le problème d'aligner les deux séquences qu'on s'est données AT et TAC. Voilà, donc je vous laisse mettre en pause éventuellement pour bien analyser le graphe et bien comprendre qu'on a effectivement ici un modèle de chemin. Alors, pour écrire ce graphe d'une façon plus générale, je vais simplement examiner les sous-problèmes. Donc, on a dit les sous-problèmes dépendent de la taille ici, des deux séquences.
Donc, un sous-problème de taille ij, on le ramène à un problème de taille soit i-j, soit ij-1, soit i-j-1. En payant, en gagnant à chaque fois, en ayant à chaque fois le gain correspondant à l'alignement de xi avec un blanc avec yj, ou les deux extrémités alignées ensemble. Alors, puisqu'il n'y a que les extrémités finalement qui caractérisent le sous-problème, je pourrais écrire ça d'une façon plus claire, juste en écrivant les paires des tailles, ij, i-j, etc. Donc voilà mon modèle de graphe général. Alors, je vous laisse écrire au propre vraiment le modèle de graphe, je ne vais pas le faire là davantage, je vais plutôt me pencher sur l'équation de récurrence. Donc je rappelle ici ce modèle de graphe et j'écris simplement l'équation de récurrence du programme dynamique en écrivant l'équation de Bellman du problème de chemin dans ce graphe. Donc, comme j'ai un sommet par paire ij, je note fij, la valeur maximum d'un alignement des séquences restreintes au i premier nucléotide de x et au j premier nucléotide de y. Ça, c'est mon sous-problème, et ça, fij, c'est la valeur optimum de ce sous-problème. Et mon modèle de graphe me donne directement l'équation de Bellman, hein, puisque le plus long chemin pour atteindre ij, c'est le max entre venir de i-j plus la distance sur l'arc en question, et le maximum entre venir de i-j-1 plus la distance sur l'arc, etc. Donc je retrouve ici dans mon équation de récurrence les trois possibilités pour maximiser, pour obtenir la valeur optimum de fij, pour obtenir la valeur de fij. Donc une façon aussi de voir cette équation de récurrence, c'est de penser la démarche comme une décomposition du problème en sous-problème. Ici, on aurait pu écrire, plutôt que d'écrire le modèle de graphe, on aurait pu chercher à écrire ça directement, à écrire qu'en fait, on ramène un problème ij à ces trois problèmes-là, i-1, j-1, ij-1, i-1, j. Donc ça, c'est plutôt la vision de la décomposition en sous-problème. Donc sur ce transparent, vous avez à la fois la vision graphe et la vision décomposition en sous-problème. Et les deux visions sont en fait représentées par une équation de récurrence qui est exactement l'équation de Bellman dans ce graphe-là. Voilà. Alors je vais terminer l'écriture de l'équation de Bellman. Donc ça, c'est la formule générale. Et puis il faut quand même que je traite les cas particuliers. Hein, ils sont là. Donc dès que j'ai une séquence qui est épuisée, ici dès que j'ai j qui vaut 0, il faut que je complète avec des blancs en face des nucléotides restants pour x. Donc c'est ce cas-là. Pareil, dès que j'ai i qui vaut 0, il faut que je complète avec des blancs en face de y. Donc, et puis, quand les deux valent 0, il faut que je termine et que j'ai ma condition d'arrêt, que f de 0, 0 vaut 0. Donc ces cas-là, ça correspond à j égale 0, i égale 0, ou les deux ensemble. Donc je trouve ça plus clair de mettre directement les valeurs ici à 0 dans la formule. Et donc voilà l'écriture générale de mon programme dynamique sous forme d'équation de récurrence. Je répète, c'est bien l'équation de Bellman dans le modèle de chemin qu'on a déjà présenté. Voilà la solution de cet exercice. Alors, si je résume la démarche, pour pouvoir la refaire sur d'autres exercices, on est parti du problème et la première chose qu'on a faite, c'est de chercher les sous-problèmes en se posant la question, qu'est-ce qu'on peut dire de la structure d'une solution optimale? Et c'est là qu'on a identifié qu'on pouvait l'exprimer en fonction de solutions optimales de séquences partielles. À partir de là, il y a deux façons d'aller plus loin. Soit on est plus à l'aise pour écrire le modèle de graphe correspondant dans un graphe sans circuit, donc le modèle de chemin. Soit on visualise les choses comme une décomposition en sous-problème. Et ces deux visions-là, une façon compacte et formelle de les donner, parce qu'elles sont équivalentes, c'est de donner l'équation de récurrence ou l'équation de Bellman de ce modèle de chemin. Voilà. Alors, à partir de là, on a répondu à la question parce qu'on peut directement en dériver un algorithme, ici, qui est toujours équivalent finalement à résoudre un problème de chemin plus long, plus court ou autre, hein, dans un graphe sans circuit. Donc c'est équivalent à faire un parcours de graphe dans l'ordre topologique. Alors j'écris pas l'algorithme ici, il faudrait organiser les boucles pour traiter les sous-problèmes du plus petit au plus grand pour parcourir ce graphe dans l'ordre topologique. Et calculer f de ij à chaque étape. Voilà. Donc la complexité, cet algorithme, va bien être en nm, puisque le nombre de sommets de ce graphe, hein, j'ai autant de sommets que de paires ij correspondant à toutes les sous-séquences possibles et les tailles des sous-séquences possibles.
Voilà. Alors, je vous invite à faire les exercices dans le livre de Dagupta, 6.27, 6.28 jusqu'à 6.30, qui sont tous des exercices inspirés du domaine de la bioinformatique. Donc, il y a des questions de distance entre gènes, comme celle qu'on vient de traiter, de séquençage du génome. Donc, vous savez, quand on séquence le génome, on obtient plein de petits bouts de séquences de nucléotides, et toute la difficulté est de bien les remettre dans l'ordre pour avoir le génome complet. Et puis il y a aussi des exercices qui consistent à reconstruire des arbres phylogénétiques. Voilà, donc tout ça sont des questions, des problématiques de la génétique et qui sont traitées en bioinformatique. Et tout ça, toutes ces questions relèvent souvent de modèles de chemin ou de programmes dynamiques. Voilà, donc la prochaine fois, on corrigera un exercice qui, dans le milieu de l'astrophysique, sur la recherche d'exoplanètes. Voilà, bon cours!